Je vais commencer par vous présenter Tony Ferrari, ici présent, son assistant Gordo Guaraldi. Merci Gordo. Matteo Talodisco, à la lumière et au son, et moi-même, Ezequiel Garofalo. Il faut que vous sachiez, d'habitude, ce chapiteau est notre terrain d'expérimentation. Et il n'est pas ouvert au public pour des raisons évidentes de sécurité. À ce sujet, il y aura des points à éclaircir, mais j'y reviendrai plus tard. Très chers spectateurs, si vous êtes ici aujourd'hui parmi nous, c'est parce que vous vous ennuyez terriblement. Vous vous lassez du cirque traditionnel. Vous avez déjà tout vu. Les acrobates, les jongleurs, les magiciens, les gymnastes, les trapézistes et autres amuseurs de galerie. Je l'ai remarqué, moi. Les gens se lassent très rapidement. Ils en veulent toujours plus. Ils veulent de l'attention, du danger, et souhaitent l'inconnu. Et pour ça, désormais, les gens vont au Futuroscope. Ah, mais le futuro, c'est nous. Le futur se passe ici, au Circo Gelatino. Le Circo Gelatino se mêle aux biotechnologies et à ce qu'on pourrait appeler le néo-humanisme. On pourrait désigner Tony Ferrari comme un chef d'orchestre, un instrumentiste, un marionnettiste. Tony Ferrari transforme l'homme en instrument, l'homme devient instrument. L'homme devient instrument. L'homme devient instrument. L'homme devient instrument. L'homme devient. Bon. Avant de vous laisser avec nos artistes ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons nous mettre au clair au sujet de nos règles de sécurité. Donc, je rappellerai vos droits et devoirs en tant que spectateur, ainsi que les risques que vous encourez. Et je rappelle également que des pompiers sont présents sur le site en cas de départ de feu ou autre événement indésirable. Voici ce qu'il faut savoir. Je veux bien le... Merci, je t'en remercie. Thank you.
sais, c'était pas évident à comprendre. Mais c'était important de signaler. Il va être l'heure pour moi de vous laisser. Et je vous souhaite de passer une délicieuse soirée.
Thank you.
Thank you.